à tous et à toutes. Nous faisons cette petite vidéo, ce petit, pas court-métrage, mais cette petite conférence sur nos anecdotes avec Kevin Kouzou, comme vous voyez, sur cette petite conférence. Attendez, je reviens deux secondes, parce que ça me dérange. Non, ouvre. Non, mais j'ouvre un peu, t'inquiète, mais nous allons faire comme ça, voilà. Comme ça. On sera tranquille, personne ne nous entendra dehors. Donc, je suis chez Kevin Kouzou. Non, je vais enlever mon torse nu. Non, tu l'enlèves pas, t'es malade. Putain, j'ai fait chaud. Je sais, on est sur une vidéo. Ouais. Désolé. Alors, donc, ça c'était le... Voilà, c'était un petit peu drôle, je suis vraiment désolé. Donc, nous allons parler de nos anecdotes et nous allons parler de beaucoup de choses après cette petite pub de publicité. Donc, nous allons parler pour nos petits courts-métrages qu'on a fait et moi mes toutes premières vidéos. Donc, je vais me tourner vers Kevin Kouzou pour lui demander c'est quel court-métrage de James Bond était ses préférés. Alors, Kevin, je voulais te poser juste une question. Tes deux courts-métrages préférés, c'est lesquels ? Moi, ce que j'ai plus aimé, c'était... GoldenEye, la première partie quand on arrive dans la base militaire où il y a le barrage, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment super bien joué avec 006 dans la peau d'un agent qui va finir par trahir son mentor, bien sûr 007 James Bond. Et au final, ça m'a beaucoup aidé de ce que tu m'as appris. Et franchement, je n'en regrette pas. Peut-être que dans les prochaines années, on pourra peut-être faire encore un autre court-métrage, mais on verra comment ma vie va se progresser au niveau du conservatoire. Mais franchement, alors il y avait ça, et ce que j'avais plus aimé, c'était quand le général Orumov m'avait capturé, parce que j'avais adoré l'accent du général Orumov, qui est joué par Sébastien Arsenaturi. Voilà, et il a joué plutôt très bien l'accent, et il était bien, il avait bien communiqué avec le personnage Alec 006, ça m'a beaucoup aidé dans son rôle. Donc il y a eu quelques emblèmes, parce qu'à un moment donné j'avais ri, j'avais un peu souri devant la caméra, donc du coup à ce moment là j'étais un peu dégoûté, mais après ça je me suis vite repris, mais on a continué après le court-métrage. Et franchement, ouais, là, l'accent du général Orumov était vraiment excellente. Et GoldenEye, ça fait partie un de mes films préférés de James Bond de Pierce Brosnan. C'est pour ça que je voulais le réaliser avec toi à notre façon. Et puis j'aime bien la fin aussi, quand je meurs là, quand tu me tires une balle dans la tête, et la façon
comment je meurs, c'était incroyable. On avait fait ça dans ta chambre, c'était vraiment incroyable. Ouais, c'est vrai. Et franchement, ouais, j'ai bien kiffé ce moment. Et après, il y avait quoi d'autre? Après, oui, il y avait... Bon, des mises sur la touche, j'ai bien aimé, mais c'était un peu trop court. Parce que moi, je pensais qu'on pouvait faire... c'était bien, mais c'est pas mon préféré court-métrage que j'ai pu faire. Moi, c'est GoldenEye. Et le dernier qu'on avait fait en oui, cours... Oui, 10 secondes avec Ethan. Ouais, ça, c'était bien, mais... le plus qui m'a plus encouragé, c'est James Bond GoldenEye avec ouais, avec partie 1 et partie 2. Ouais, partie 1 et partie 2. Qui était vraiment incroyable et je regrette pas de l'avoir fait. Et en plus, c'était un super mois, il faisait un bon mois d'hiver, c'était incroyable. Donc voilà, et qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ben, y avait rien. Et puis surtout, j'ai passé un agréable moment au foyer en ta compagnie. Et j'espère qu'on pourra un jour faire des courts-métrages, malgré que je sois parti du foyer pour vivre dans le sud. Voilà, il faut s'y faire. Et puis peut-être qu'un jour, je deviendrai un acteur. Et puis, on espère pour toi après. On est voilà. Et puis voilà, je voulais vous lâcher un petit like. Et puis voilà, prenez soin de vous. Et puis. Faites des films à votre façon, mettez le meilleur de vous-même pour devenir un peu comme moi, parce qu'il y en a certains qui ne peuvent pas m'arriver à la cheville. Et voilà, donc du coup, c'était ce que je voulais dire à propos d'Alec 006, que j'avais super bien joué. Maintenant, à toi. Donc, merci Kevin de ton beau discours, qui était super bien. Donc, nous allons vous faire voir peut-être des qui seront mis là maintenant pour vous faire voir le pour vous pas vous refaire voir le film. On va pas vous refaire voir le film en entier, mais on va vous faire voir des petits passages de James Bond, GoldenEye partie 1 et partie 2 de son film préféré. On vous quitte et on vous dit à tout de suite juste après les petites scènes qui vont arriver. À tout de suite les amis. We'll be right back.
amis, pour la suite de cette petite conférence. Donc je vais me retourner vers Kevin Kuzu pour le féliciter, pas pour le féliciter, mais pour lui faire un discours devant vous, ceux qui sont abonnés à ma chaîne et tous mes abonnés de ma chaîne et ceux qui auraient de ma chaîne YouTube. Je vais faire un discours pour Kevin, comme vous le voyez, je vais lui faire un discours. Bon bref, on va pas rentrer plus dans les détails, je vais lui faire un petit discours, je me tourne vers lui et je vais dire à Kevin, par exemple, le film GoldenEye, ça m'a tellement plu de le jouer avec toi. Ça m'a réellement plu de le jouer avec toi parce qu'en vrai, je trouvais que oui, c'est sûr, tu jouais bien le personnage, Alex 006. Même quand tu jouais James Bond, tu le jouais super bien. Ouais. Ça c'est sûr que James Bond, tu le joues bien quand même. Mais moi, le plus que j'ai aimé dans ces années-là, dans cette année-là avec le foyer... Cette année-là. Oui. Oui, bon, moi, ce que j'ai bien aimé avec cette année-là, pour l'année 2023, oui, c'est ça, 2023 de l'année dernière, et cette année-là, 2024, qu'on a joué James Bond, j'ai trouvé que, ouais, que t'étais bien dans tes deux personnages que tu jouais, et moi, ça m'a réellement remis en confiance pour d'autres films aussi, tu vois. Ça m'a réellement mis en confiance, tu vois, comme je te dis là, pour d'autres films. Parce qu'il y avait moi, et donc du coup, ça t'a permis voilà, ça m'a permis un peu de m'aider, voilà, t'as compris, ça m'a permis de m'aider, et tout. Et donc, voilà, je vais faire d'autres films, qu'on va même voir Kevin Kuzu dans son dernier film. Ghostbuster, voilà, que je vous ai déjà annoncé dans une petite conférence sur... qu'on a déjà annoncé pour le film James Bond avec Ethan Hunt, quand je vous ai annoncé James Bond avec Ethan Hunt, et après il y a eu l'annonce de Ghostbuster où je vous ai dit que Kevin Kuzu, ça sera son dernier film, ça sera dans le dernier film qu'on le verra, donc, attendez, c'est juste ma batterie, on va faire vite les amis, donc c'est ma batterie de mon portable qui est déchargée, ce n'est pas grave, mais on va faire vite. Et donc, ben, moi, ça m'a tellement permis de jouer avec toi que c'était génial. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien de jouer avec toi parce que ça m'a permis d'apprendre des nouvelles choses. Ouais. Donc, voilà. Donc, je me retourne vers vous, les amis, parce que là, il faut faire vite parce que mon portable est à 15% et j'ai pas envie qu'il décharge trop. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Et je vous dis au 1er décembre pour le film Ghostbusters. Va arriver sur ma chaîne YouTube le 1er décembre 2024. Je vous dis salut les amis et je vous souhaite une excellente bonne journée. Salut !